attention. No one gets hurt. Go! Open the door! They'll get worse than hurt! Hey! Hey! Ah! Come on! Finally! Don't do anything! Let's go! Shut up! Shut the fuck up! Hello tout le monde, c'est Sissa et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur, je crois que vous l'aurez reconnu, GTA V. Et oui, les loulous, les amis, les gamers et les gameuses, je me suis dit, ah là là, allez, un jeu comme ça, ça peut pas se rater en Day One s'il vous plaît. Vous l'aurez pas par contre la vidéo en Day One, hein, vous aurez quelques jours après. Mais je pouvais pas attendre pour pouvoir jouer à ce jeu. Donc, trêve de blabla, hein. Je vais découvrir le jeu avec vous. Totalement, j'espère pouvoir faire un let's play dessus. Je vais voir ça par la suite. C'est peut-être pas sur ça en fonction de ce qui va se passer. Mais franchement, je serais très motivée à faire un let's play là-dessus. Donc, allez, on va découvrir ensemble l'histoire. Ok. Ne fais pas sauter. Merci pour viser une cible. Ok. Alors là, on vise quelqu'un, donc j'espère que ça n'a pas trop changé au niveau des commandes. R. R. Comment ça ? Ok. Alors. Là, viser, j'ai l'impression que c'est pas comme d'habitude, parce que c'est L2. Ou soit c'est moi qui ai vraiment pas trop l'habitude avec... Peut-être qu'ils ont changé les commandes. Alors, utilisez pour le téléphone pour déclencher les explosifs. Attention les amis, ça va exploser dans 3, 2, 1, c'est parti. Ah non, ok, je croyais que ça allait exploser maintenant. Ah d'accord, on a un nouveau téléphone portable. Alors, c'est pas du tactile, hein, ça reste encore assez sommaire. Donc, alors, on va choisir dans les contacts et détonation. On a un nouvel ami qui s'appelle détonation. Oui, bah allez, c'est bon, on va le faire, hein, ton mot détonation. On va appeler le numéro. Yeah! Donc là, on est en train de faire un braquage. On sait pas qui on incarne pour le moment. Je vous avouerai que les prénoms, j'ai pas retenu, hein. On va apprendre petit à petit. Je me suis un peu renseignée sur le jeu quand même. T'excites pas du calme. Donc on va en apprendre davantage sur les personnages. Je sais qu'il y a 3 personnages qu'on pourra contrôler. Mais trêve de blabla, on va pas s'attarder à parler par-dessus le gameplay quand même. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Alors prenez l'argent. Alors ok, il y a de l'argent par terre, j'ai récupéré. C'est ça le petit bruit en fait qu'il y a eu. Oh yeah, le butin. Ok, donc là, c'est la somme qu'on a actuellement. Il faut qu'on bouge. Donc là, je sais pas comment on fait pour courir. Un Brad. Pour changer de personnel, voilà ceux qui sont disponibles. Ah bon, voilà. Là, on voit le système du principe avec 3 personnages. Donc là, je peux changer, je peux switcher. Alors, en maintenant. Et R pour choisir un personnage. Puis relâcher pour changer de personnage. Alors, on va prendre l'autre, là, qui est... je sais pas lequel que j'ai choisi, là. Ok. Ok, j'ai pris l'autre. Éliminer le garde. Donc, je fais L2. Et je vise. Oh, dans la tête! Oh, la vache, le recul. Bah, si, j'étais obligé. Ok, comment on fait pour courir? C'est croix, en maintenant. R1, se planquer. J'aurais pas dû me planquer là. C'est un minuteur, accrochez-vous. On doit s'éloigner ou pas? Donc, non, à mon avis, s'ils se mettent là, c'est que je vais pas me ramasser de dégâts. Oh yes. Alors j'ai pas trop regardé au niveau des prénoms des personnages. Donc, ouvre la porte. Ah, moi c'est Trevor, ok. Maintenant je contrôle Trevor. Ah, au niveau des de la réaction au niveau des armes, ça a vachement changé. Je vais peut-être me cacher derrière un abri là. Hop, hop, hop. Ça commence déjà. J'ai l'impression que le personnage est beaucoup plus lourd. Au niveau des réactions du personnage, il est beaucoup plus lourd à manier. Je sais pas si par la suite ça va se modifier ou pas, cette sensibilité de mouvement au niveau du perso.
Mais en tout cas, il est assez lourd à contrôler. Pas facile. Bon, après, c'est peut-être une question d'habitude. Peut-être qu'avec le temps, on arrivera à prendre l'habitude au niveau des... Oh la vache! Ah, vas-y! Cours! Alors, désolé si je me cours au niveau des prénoms des persos. On verra quand vous êtes à l'extérieur. Ok. Ah bah ok, il a tué. Ah c'est bon, c'est parfait. Ça va, c'est pas trop compliqué. Alors oui, donc je suis désolée pour si je me cours de prénom au niveau des persos. Je ferai un peu plus gaffe la prochaine fois. Ok, c'est parfait. Par contre, moi je vois pas grand chose. Ah! Ah oui, c'est vrai, c'est ça pour se cacher. Choisir vrai. Ah, j'ai pas le temps! Comment on fait déjà pour choisir? Ok. Alors, je peux choisir l'autre perso. Tiens, on va le faire. On va essayer de les tester. Alors, chaque personnage a des capacités qu'on pourra améliorer par la suite. D'après ce que j'ai compris, rejoignez la voiture, c'est parti. En tout cas, c'est super beau. Super beau. Oh, oh, allez, bourrin. Oh là là, c'est n'importe quoi. J'ai même pas le temps de lire. Au niveau des bottes de dialogue, alors c'est un peu ça le problème au niveau des GTA, c'est que vous avez des phases de dialogue, alors peut-être que c'est pas super intéressant. Ah, donc je pouvais pas me permettre de pas faire une vidéo dessus, j'étais obligée d'en faire une. Parce que j'ai commencé la chaîne avec un GTA et je vais quand même poursuivre cette chaîne YouTube avec un GTA. Alors, en tout cas, il y a un autre personnage que je connais pas, le petit blond là dans la voiture. En tout cas. Ah bah, il y en a un qui est mort. Le conducteur. Oh là là, je vais prendre les commandes du véhicule, ça va être trop horrible. Ah. Oh la vache, au secours! Parce qu'en plus c'est enneigé, donc j'ai vraiment la trouille de de renverser le véhicule. Si on se met, on va devoir passer avant le train. On freinait faire marche arrière. Ce véhicule est à la. Wapapapapa, au secours! Ah, il y a des tracteurs et tout, c'est trop marrant. Ok. Hein. La fille qui s'excite. Oh, parce qu'il y a un tracteur. Oh la vache, non ça va, ça se contrôle super bien. J'ai eu un peu la trouille. Oh la vache! On va devoir continuer à pied, je suppose. En tout cas, il n'y a pas du tout de chargement, ça se. Ok, bon là, on a de l'argent. Donc on a fait un casse et on doit ramener cet argent, prendre un hélico, et l'hélico est pas là. Ah bah il y a des mecs qui nous attendent. Oh bah voilà. Ah bah tiens, le mec qu'on connaissait pas s'est fait tuer. Oh mince. Très bien. Ah en fait on contrôle Trevor, ok. Donc là c'est un des personnages principaux, Trevor. À ce qui paraît ce perso est assez assez foufou dans l'esprit. Je pense que je vais l'aimer. Aïe 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 aïe, comment ça ils arrivent à me tirer comme ça? Je vais tous vous buter. Yeah. L'anarchie. C'est trop excellent, ça commence super bien cette mission. En tout cas, au niveau... En fait, j'ai eu peur au niveau des commandes, mais j'ai pas l'impression que ça ait vraiment changé. Oh la vache, il y a énormément de filles qui se ramènent. Oh. Ouais, l'hélicoptère est pas là. Donc, où est-il passé?
qui devait le conduire? Ça, c'est une bonne question. En tout cas, je remercie à toutes les personnes qui envoient des petits messages d'encouragement pendant la vidéo. Not always a good citizen. He did not die a hero's death, but he was a man. Our Lord was crucified with two thieves. So perhaps we should not judge. We are born of sin and we die in sin. And in this, Michael is like anybody else. Father, we do not know your infinite mysteries, but we know that you will show mercy to our friend. Alors, ok, un personnage est mort. C'est pas le blond, c'est le dernier qui s'est fait tirer dessus. Donc, à mon avis, on va avoir un peu plus d'informations sur les personnages après ce prologue qui est digne d'un film hollywoodien. Donc, bon, franchement, c'est très tourné action, c'est super. Ah, je me tais. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, then no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. Same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Hmm. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Et voilà, nous voilà à Los Santos. Nouvelle map, nouveau terrain de jeu qui va être victime de nos exigences de gamer. On va voir comment ça va se passer en espérant qu'il y aura énormément d'activités secondaires et d'après ce que j'ai pu voir, des images, des news, des quelques news que j'ai pu lire, il y aura énormément d'activités secondaires. Alors là, je suis en train de me poser une question parce que, en fait, Michael, je croyais qu'il était mort et c'est pas le cas. Ou il s'est fait passer pour mort peut-être. Parce que le personnage qu'on incarne, c'est Michael. Bon, là, j'ai pas... Je vous avouerai que là, c'est assez compliqué à se mettre en selle. Mais de toute façon, on va comprendre le scénario petit à petit. Il n'y a pas de problème. De toute façon, si j'ai dit des bêtises, je me corrigerai dans la prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas. Man, shit gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Man, fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, won't you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there, with the yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn, why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all? Yeah, right.
You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie, this the spit knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in here. You bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on. Come on. Shit, come on. Alors, OK, this nigga must got the baby dick. Yeah, and all this shit paid for with bad credit. Alors, là, ça me gêne un peu, parce que ça va faire une vidéo trop longue, sinon, pour commencer. Et là, il y a un petit temps de pause, et j'ai peur que par la suite, on soit un peu embêté, et que la vidéo, elle dure beaucoup trop longtemps. Donc, je vais faire une coupure ici, et je relancerai une vidéo par la suite, au même endroit, au même moment. Donc, je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo sur GTA V. J'ai de très bonnes impressions sur ce jeu, mais on n'a fait que les 10-15 premières minutes du jeu, donc on ne peut pas encore se prononcer là-dessus. En tout cas, on pourra se faire une idée sur les prochaines vidéos que j'espère j'arriverai à vous faire sur ce jeu. Donc je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, salut !